vous les appelez comment en fait les quatre les régulateurs. Mais c'est-à-dire le quatrième. Il y a le double basse, le basse, le baryton, le ténor et le double baryton. Et celui que vous avez ajouté, c'est le double. Le double basse et le double baryton. Normalement, il y a trois sur un full set. Et j'ai ajouté le double basse et le double baryton. D'accord. L'avantage du double baryton, c'est qu'on peut faire des accords mineurs, des choses comme ça, comme. On ne peut pas faire sur un full normal. Non, parce qu'il n'y a pas de si bémol sur un normal. Là, il y a un si bémol, donc on peut faire un accord de sol mineur. Et par rapport à la technique, j'imagine ça, un musicien doit retravailler une nouvelle technique. Ah bah, il faut apprendre à en jouer. Oui, oui. C'est un nouvel instrument, presque, on va dire. Pour appuyer sur le. Ouais. J'ai un quatrième bourdon qui donne une quinte. On peut juste le. Enfin, juste l'actionner quoi. Ouais. En 1939. Ça, c'est de la vie. Et qui sont restés sur les quais à cause de la guerre. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les billes avaient été commandées en 1938 par un fabricant à Cork. Et puis, les bois ont été coupés. Mais à cause de la guerre, il n'y avait pas de transport. Que tous les cargos étaient réquisitionnés à cause de la guerre. Donc les billes sont restées 5 ans sur les quais. Et ils ont fendu de tous les côtés, c'est plein de cracks de partout, mais entre les cracks, on arrive à trouver des morceaux de bois convenables. C'est bien sec et ça fait des merveilleux instruments. Au départ, j'avais 17 billes comme ça, maintenant il ne reste plus que ça. J'ai fait des pailles pour O'Flynn, pour Mick O'Brien, pour des tas de gens. Avec ces morceaux de bois. Voilà. Et on ne te sert que de l'ébène pour. Moi, j'utilise que de l'ébène. Mais il est possible d'utiliser d'autres bois durs, du type buis ou je ne sais pas. Ou... Moi, j'utilise pas parce que le buis, premièrement, c'est un bois qui travaille et qui dessert pas finalement le fabricant parce que il peut très bien se trouver que. Vous faites un bourdon en buis, par exemple, et puis 6 mois plus tard, il est en arc de cercle. Et même 150 ans plus tard, le buis, ça travaille toujours. D'accord. Donc, j'utilise pas de buis. Et le blackwood, le granadille, j'utilise pas du tout parce que, question timbre, c'est nul. C'est un bois qui a beaucoup trop de résonance et qui a pas du tout de qualité tonale que
de ce que je cherche moi. Donc j'utilise que de l'ébène. Donc le matériau, vous sentez que le matériau a une incidence sur le timbre. Absolument, super important. D'accord. Et j'utilise que un type d'ébène. J'utilise aucun ébène de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou des ébènes du Gabon, tout ça, j'utilise pas. C'est pas des bois du tout qui me conviennent. Moi, je cherche un type de timbre et je sais exactement ce que je cherche. Au même titre que les roseaux, pour faire mes anges, j'utilise des roseaux bien déterminés parce que j'ai pas du tout envie d'obtenir des timbres. Je veux pas que mes trucs sonnent comme des clarinettes ou des saxophones. Mmh. J'ai rien contre les clarinettes ou les saxophones, mais on parle de pipe, on parle de pipe. Voilà. C'est ça qui est important. Alors l'ivoire végétal ou... Non, c'est du plastique, du synthétique. Oui, enfin on appelle ça souvent l'ivoire. J'utilise pas du végétal. Ah, c'est encore autre chose ? Non, ça c'est uniquement du polyester. D'accord. Voilà. Et bon, j'utilise... j'ai encore un petit peu d'ivoire... dans les coins, quelque part, où j'utilise pour rénover des vieux sets ou des choses comme ça, mais et mon set est monté en ivoire, mais bon, ça devient vraiment difficile maintenant. Donc les outils dont vous me parliez. Alors, les outils, c'est simple, on fait... C'est tous des outils qu'on fait soi-même. Hein. C'est des allégeoires coniques. Ça, c'est moi qui les fais. Bon, il faut avoir un petit peu de méthode pour faire des outils comme ça. Mmh, mmh. C'est ça. C'est ce que je dis toujours, c'est que les jeunes, ils veulent tous se lancer dans le métier. Et puis, ils sont pas foutus de tourner un outil. Alors... Ouais, c'est ça, parce qu'on imagine que le... Enfin, tout l'outillage est déjà disponible. Non, non, il n'est pas disponible. Quoi. L'outillage, il faut le fabriquer soi-même. C'est ça le problème. Mais comment font les jeunes facteurs, même s'ils sont, on va dire, moins exigeants dans la... Je vais vous faire voir, par exemple, ça c'est une pièce de musée que j'ai fait. Je suis. J'ai fait moi-même. Je me suis fait un double basse pour mon set en do dièse, celui que vous avez entendu là. Oui. Ben, j'ai fait cet outil-là juste pour une pièce. D'accord. Vous voyez le travail ? C'est pas de la crasse. Hein ? Il servait à quoi donc ? Il a servi à faire l'alésage du double basse. D'accord. Et j'ai passé 16 heures à faire l'outil. C'est de la belle ouvrage, quoi. Oui, mais... Et vous pouvez vous raser avec le matin. Allez-y, c'est pas de la ça coupe. Hein, effectivement. Voilà. Passez presque autant de temps à faire vos outils qu'à faire vos sacs. Ah ben exactement. Non mais c'est de ça que je parle. Voilà. Et alors quand on fabrique, il y a un ordre à respecter. Vous voyez ce que vous. On commence par le, je sais pas, le chanteur. Non, il n'y a pas de. On fait. Comme on le sent. En général, moi, je fais toujours le chanteur en premier. Et je fais les bourdons, puis après, je mets les régulateurs au bout. Mais bon, c'est des séquences. Il n'y a pas vraiment de raison. Hein. On pourrait faire autrement, mais bon, je fais toujours comme ça. Et l'outre, vous la faites, enfin, comment vous faites ? C'est vous qui vous. Enfin, ce que la j'appelle poche. L'outre, c'est. Oui, la poche, oui, la. C'est de la quoi, de la peau de... C'est du cuir, oui. Mais je une fois de plus, j'utilise des matériaux modernes. Je peins l'intérieur de la poche avec du néoprène. Oui. Ce qui fait que la poche est parfaitement étanche. Parce qu'il y a des gens qui utilisent des tout un tas de systèmes de seasoning et de matériaux et de machin. Et ça fuit toujours. Moi, je mets du néoprène, c'est du caoutchouc finalement. Et le cuir est complètement sealed, il est parfaitement étanche et ça marche. Même au niveau de la valve de... À tout, bien sûr. Ouais. Voilà. Voilà. Aucun problème.
Et une fois en Bretagne, vous allez continuer vos activités ou... Ah ouais, non, absolument. Oui, 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 si vous avez encore pour 14 ans de commande. J'ai 14 ans de mise à temps. Je ne sais pas si je ferai tout. Je serai peut-être mort avant, j'en sais rien. Mais bon, je vais essayer d'en faire un peu. Quoi. Puis je vais essayer aussi de réduire un petit peu mon rythme. Parce que là, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je suis fatigué maintenant. Donc j'ai envie de me reposer un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de bons instruments pour des bons musiciens. Je continuerai.